Un tiers seulement. Et Crisis City. J'espère actuellement que ça va pas me remettre plus tôt que ce que c'était, mais... Ça devrait pas, j'espère. Il y avait bien eu un point de sauvegarde, n'est-ce pas? S'il vous plaît, rassurez-moi. Mais bon, le temps que ça charge, bonjour tout le monde, ici GA2 et je vous retrouve pour... On l'a déjà vu. Un nouvel épisode de Let's Play Sonic 06 Blind. Non, on va juste... Non, si. Dans le présent épisode, donc nous avions fini Crisis City, récupéré une émeraude du chaos, on a des cinématiques que je vais ignorer, j'avais, ouais, c'est ça, arrêté au tout début du Flame Core. C'est pour ça que ça m'était encore Crisis City, parce qu'il y avait des cinématiques. Ouf. Et dans cet épisode, bon, bah, nous allons essayer de... Nous reprenons en fait le scénario de Sonic actuellement un petit peu, mais en version Shadow. Je suis vraiment à peu près en moitié... Sonic à moitié Shadow, à moitié Sonic, à moitié Silver et à moitié Sonic, à savoir que j'ai quand même eu quelques vies perdues, mais j'ai de la vie en réserve, donc j'ai vraiment l'espoir que ça se passe correct. Ok. Alors, donc déjà, je reprends le contrôle. Ils m'ont donné une médaille de Soliana Automatique. Pourquoi ces trucs en... Oh, wow. En l'air, si je suis juste osé suivre le sol. Ah, de mémoire, il y a aussi des rochers. Bon, bah, ma mémoire ne m'a pas trompé. Le problème, c'est que je vois pas comment vous pouvez anticiper leur chute, étant donné que leur ombre, enfin, ils tombent extrêmement vite, donc vous pouvez même pas utiliser leur ombre en course. Oh non! Ah, c'était moche! Le coup de l'ennemi pile en plein milieu du mur. Comment vous êtes supposé éviter ça? Vous êtes sur le mur. Ok, bon bah j'avais dit j'ai plein de vie, donc je m'inquiète moins. Je m'inquiète un peu plus, Doudingo. Ah bah ça signifie qu'il faut que j'évite de prendre par là. Est-ce qu'il y a une vie sur le côté gauche? Bref. Donc là actuellement je suis... Ah bon, je ne suis plus. Alors... La partie, tu te fais toucher par des trucs et il n'y a pas grand chose que tu puisses y faire. Honnêtement, je vois pas comment je suis supposé éviter quoi que ce soit. Ça semble littéralement être là pour vous punir d'avoir... Voilà, il faut pas que je reste au sol, mais il faut bien que j'y retombe un jour. Ah non, mais ça sent, regardez ça. Alors, moi personnellement, j'aimerais plus aller en face. Genre par là-bas, il y a même une vie. Ce que je vais prendre avec joie et bonne humeur plutôt que de me reprendre. Regardez ça, c'est terriblement moche. Le seul moyen, en gros, vous n'êtes pas supposé prendre cet accélérateur-là. C'est un piège qui va vous coûter une vie puisque vous avez tout... Non ! Oh, oh, punaise. Bon, bref. Si vous prenez l'accélérateur du centre, je sais, je grille mon rang, je m'en fiche complètement. Ça va vous mettre contre un ennemi qui va vous infliger des dégâts et vous faire tomber dans la lave et... En fait, moi j'avais pas vu qu'il y avait une petite plateforme ici, sinon j'aurais pu l'atteindre avant de crever, mais bon, tant pis. Il y avait des rings ou c'était une vie aussi? Oula, j'ai cru que j'allais pas prendre le... Attention aux zones qui changent de couleur. Comment ça? Ils ont pas de points faibles, tu... Ah, ça c'est lourd par contre. Ils ont pas de réel point faible. Parce qu'ils vous disent, son point faible est dans sa bouche, il faut l'attaquer quand il l'ouvre. Je l'attaque directement, il meurt. J'ai jamais eu l'impression qu'il y avait un réel point faible. Oh, une médaille de blablabla. Avec Silver, je serais allé la prendre avec Shadow. Ah, je peux peut-être essayer. Je meurs pas si je me plante et la plateforme tombe pile dessous, donc faut peut-être essayer, vous savez, de sauter pile quand je suis dessous. Ouais, bon. Je l'ai eu, je suppose que c'est l'essentiel, mais maintenant, faut pas que je tombe dans la lave, parce que si je tombe dans la lave, je meurs. Maintenant, si je tombe dans la lave, je ne meurs pas.
Non, c'est juste une autre plateforme. Ah oui, c'est les plateformes pour vous aider à compenser si jamais vous n'arrivez pas à passer les choses. Tac. C'est sûr qu'on ne peut plus avoir Silver. Matrice, quelque peu. Silver était le roi du platforming. Vous pouviez très, que très bien mourir avec lui. Alors, c'est très simple. J'ai soit cette espèce de passage avec 90% de chance de mourir, parce qu'en plus, il ne faut pas que j'ai un mauvais timing. Sinon, j'ai tout de me prendre son projectile si je prends le chemin du dessous. Ou alors, j'ai cette petite plateforme en plein milieu de la lave que je peux emprunter, utiliser ses ennemis pour rejoindre l'autre côté sans risque de crever. Il y a un ennemi qui va apparaître encore. Ouais. Ok, c'était bizarre. Ah, pas de médaille cette fois-ci. Boring. Oh, wow, wow, wow. Faut que je fasse attention. Alors, je sais que j'ai son espèce de super mode, machin chose. Et en plus, il me donne de la possibilité d'un... Quack. C'est moi où il avait une espèce de sphère... Ah, d'accord. Ce sont des nouveaux ennemis. Ok, ça, c'était pas voulu, mais c'est pas grave. Ce sont des nouveaux ennemis? Point d'interrogation. J'ai pas souvenir que les piaf... enfin... Entre guillemets pour piaf. Oh, ça c'est moche par contre, le fait qu'ils soient à peu près au-dessus du... Enfin, il me semblait qu'il était aux alentours d'une espèce de geyser de flammes. Enfin, bon. J'avais pas souvenir qu'ils avaient des espèces de... Pourquoi vous me donnez autant de ces cochonneries? J'en ai jamais eu besoin jusque-là. Je sais même pas exactement ce que ça fait. J'ai bien compris que ça lui permet de passer en mode chaos, comme ils appellent ça. J'ai des mauvais souvenirs de cette zone. Mais le problème, c'est que le mode chaos, il me sert à quoi exactement? Il augmente mes dégâts? Il me rend invincible? Non! C'est exactement ce que je voulais éviter d'avoir. Une cochonnerie de tu pars dans tous les sens parce qu'il y a les ennemis. Ah! Je... Et je vous jure, hein, c'est exactement ce que je voulais éviter. J'aurais dû attaquer au sol, j'aurais pas dû essayer de faire une... Attaque comme ça. Ok, tu crèves. Parce que tu commences à mégasser actuellement, toi. Ok, alors vous savez quoi? Ah, super mode! Et génial, j'étais... bloqué par la caisse. Alors, il a l'air d'être vachement bourrin. Et, ah, il a l'air plus rapide, effectivement, aussi. Mais je sais pas s'il est plus puissant ou invincible. Il a l'air d'être, effectivement, plus... plus rapide, à nouveau. C'est bizarre. Alors, j'ai l'impression que la jauge se... remplit. Ok, d'accord. Il est effectivement... En fait, il fonce en ligne droite une fois qu'il est dans ce mode. Donc faut que je fasse attention à pas me faire... à pas perdre le contrôle. Voilà une autre vie. Et devinez quoi, je la veux. Oh, quoi? C'était quoi ce délire? Oh tiens, je vais m'arrêter pile devant la plateforme. Ah! Voilà, ça c'est la raison pour laquelle j'aimais beaucoup Silver en comparaison des autres personnages. Avec les autres personnages, le platforming est absolument pathétique. Vous contrôlez très peu. Là, je veux dire, mon objectif est bien entendu d'atteindre la plateforme. Comment je fais? Je peux pas avoir mes pieds. Est-ce que je peux? Non, je peux pas. Bah écoutez, j'avais pas de ring. Autant recommencer, j'imagine. À nouveau, le même problème qu'avec Amirose actuellement, que j'avais rencontré. Le concept, ah, j'ai quasiment aucun mouvement vers l'avant si j'ai pas d'élan. Le problème, c'est que je contrôle pas le platforming, je contrôle rien du tout. J'ai abandonné la vie parce qu'actuellement, elle retombe dans le concept des précédentes vies, à savoir, vous savez, je perds une vie en essayant de l'atteindre et au lieu de compenser quoi que ce soit, je suis en train de perdre mon temps. Mais,
Oh la vache, vous avez bien vu, j'ai pas voulu faire l'attaque en avant, là, l'espèce d'attaque auto-guidée, parce que je partais du principe que ça allait me coûter plus, quand ça allait risquer de m'envoyer dans tous les sens au lieu de me faire atteindre mon objectif. Et résultat, Shadow a avancé de 10 cm avec son bond et il est allé nulle part. Et c'est extrêmement mal fait. Oui, je sais, il faut que j'utilise les plateformes. Écoute, ça fait la troisième fois que je le fais. Et là, c'était une très très mauvaise idée parce que la plateforme allait tomber dans le vide. Bref, j'imagine qu'on repart vers du platforming normal au lieu d'avoir du bon platforming. Toi, tu meurs. Toi, tu meurs. On va s'éloigner au cas où il y a des ennemis qui apparaissent au milieu de nulle part. Parce que... Ah, ok, il y a une vie ici. La vie m'intéresse, que je peux au pire compenser le fait de plus avoir de rings temporairement. Oh, wow, 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 wow. Ça s'est mieux passé que prévu. J'escomptais tomber dans la lave, personnellement. Mais... Il donne beaucoup de vie actuellement pour Shadow. Je veux dire, il y en avait une plus loin, j'étais quand même à 15, il n'y a plus de ring, bien entendu, parce que comme un imbécile, j'ai tout récupéré avant. Je comprends mieux pourquoi il donne beaucoup de vie. Doucement, rings, on en laisse une au sol. Ah. Ces jeux sont supposés être des jeux de plateforme, mais ils sont incontrôlables, c'est une horreur. Preuve en est, juste ici, j'ai voulu attaquer un ennemi, je suis parti dans le vide. Hey, hey, crève, crève, bizarrement cette fois-ci, toi t'es au sol et pas sur la caisse. Donc je me demande si c'était voulu leur truc. J'en prends juste quelques-unes, je vais prendre ça, on va passer en super méga mode. Ce qui est actuellement pas une si bonne idée que ça, parce que... Ok, je suis pas invincible. Et en plus, j'ai même pas tué l'ennemi actuellement. Meurs. Où est le troisième? Oh, encore! Alors, je m'en plains pas, bien entendu. Je veux dire, j'apprécie que le jeu me donne beaucoup de vie. Considérant à quel point je les perds quand même à une vitesse assez régulière. Oh, oh, jette ton projectile d'abord, parce que c'est bon, je l'ai déjà fait, le coup du « je t'attaque parce que t'as un projectile en l'air, et quand t'es mort, le projectile me tombe dessus au lieu de... Enfin, tombe au sol en même temps que moi, au lieu de... Encore cette cochonne. Wack ? Il s'est interrompu dans les airs ? Pas que je m'en plaigne, mais... oh, il est en éruption. Ouais, ok, d'accord, on s'en va. Une autre... non, c'est des rings. Et... Là, en fait, vous avez... Je sais pas si vous avez pu le voir, mais je n'avais même pas de mouvement vers... Ok, le mode KO est nul. Je le prends plus. Là, 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 mes coups n'ont aucun effet. Du calme. Ah, donc là, vous avez pu admirer à quel point le jeu se moque de moi encore plus. Puisqu'il vient actuellement, en gros, de m'envoyer un projectile alors que je venais tout juste de réapparaître. J'avais pas eu le temps d'avoir la moindre ring, donc je suis mort. Je suis mort une seconde après être réapparu dans le niveau. C'est actuellement très... Très, très nul. Oh mon sang, mais c'est pour perdre des vies, je peux comprendre, mais il y a quand même un moment où il faut savoir poser une limite. Ces espèces d'obstacles sont actuellement complètement cheap. Parce que vous pouvez pas les voir venir réellement, là les trucs qui tombent du ciel. Ils vous font les... C'est même pas comme si c'était, vous savez, comme les petits tirs, là, des robots d'Eggman qui vous font perdre quelques rings. Ça vous fait perdre toutes vos rings et ça vous... Et c'est vraiment gênant. Et
Et ouais, et donc le mode du chaos en fait est très puant sur le fait que il va parfois vous faire perdre tout élan pendant un saut, après une attaque. En gros, si vous pouvez pas enchaîner les attaques, vous allez être figé dans les airs et vous allez tomber sans aucun moyen de pouvoir vous déplacer. Et dans une zone avec plein de lave, je vous laisse imaginer le résultat. Donc c'est utilisé dans une zone fermée, genre je sais pas, Aquatic Base, parce que je suppose qu'il va y aller forcément. Mais dans une zone comme celle-ci, où vous avez soit de l'eau, soit de la lave, soit plein de trous, c'est un grand non. Parce que vous ne contrôlez rien, vous mourrez facilement, etc. C'est... Malheureusement, on retrouve, comme je le disais, le côté un peu mal fait du jeu maintenant. Silver réussit à le compenser par le fait que sa capacité à léviter brisait les faiblesses de... enfin, les faiblesses voilà, du platforming. Vous pouviez pas... Pourquoi il est mort? Pourquoi je m'en plains? Ok, donc j'ai ça. J'ai des méchants pavots qui m'attaquent. Et oh wow, j'ai cru que j'allais actuellement pas réussir à atteindre la plateforme. Parce que ça a l'air d'être un classique désormais. De s'arrêter à 10 cm de plateforme. La vie tout à l'heure que j'avais essayé de récupérer, ça donnait l'impression que je pouvais la choper. Et en fait, non. bref, par contre, bien sûr, il n'y a plus d'ennemis pour que je rejoigne de l'autre côté. Donc voilà que je passe par là et que je découvre, je suppose qu'il y a un ennemi qui apparaît en plein milieu. Oh pardon, deux ennemis. Heureusement, je peux rester vaguement au niveau du sol, donc c'est pas gênant. Tac. Tac. Vous, je vais vous ignorer actuellement, j'ai pas de raison, c'est 5 ennemis. Sincèrement, pourquoi est-ce que je m'embêterais pour 5 pauvres rings? Attention, ici, c'est un obstacle. Toi, merci de décéder en enfer. Pardon, on y est déjà. Merci de décéder tout court. Alors, toi, tu crèves également. Tu me donnes le bumper magique. Ah, tu t'arrêtes. Déjà parce que d'une, tu partais vers le vide, ce qui est donc une très mauvaise idée. Et ensuite, parce que je n'aime pas perdre le contrôle dans le jeu. Je sais pas pourquoi. Et waouh, je pensais que j'allais actuellement me prendre la bombe dans la face. Ça, je l'ai déjà récupéré. Ça, c'est un bumper qui ne me sert à rien. Et ça, c'est un bumper qui ne me sert à rien aussi. Donc là, on va avancer par là. Je vais récupérer une ou deux rings, pas important. Et je vois des rings par là-bas que je n'ai pas réussi à obtenir. Je ne sais pas si j'ai raté d'autres choses et je m'en fiche. Actuellement, il y a vraiment une médaille cachée dans un coin. Mais cette médaille ne vaut pas le coup. Refais apparaître ton espèce de babal. Voilà, jette-la dans le vide parce que je suis trop loin pour que tu puisses m'atteindre. Et maintenant, je t'attaque et je te dégomme pour pas avoir ton espèce de sphère qui va me retomber dessus. Et maintenant, on est dans la zone avec les sphères lumineuses. 2. Puis-je faire remarquer que c'est exactement le même texte que Silver et que Silver, au moins, ton pouvoir avait un sens là où lui... voilà, c'est vrai que c'est le seul truc auquel je peux penser. Il faut que j'allume tout. Je suppose qu'il faut que j'allume tout. Ah oui, vous êtes les... le mode frappant, enfin, deux coups, quoi. Ok, mon pouvoir, c'est apparemment aussi donner des coups de pied. Donc c'est juste qu'ils n'ont pas remplacé le texte de Silver, ou peut-être que c'était le même pour Sonic, mais j'aurais pas dû prendre ça, parce que c'est à la sortie, et je risque potentiellement de... Wouhou ! Ah ! Bien entendu. Bien entendu. Parce que me refaire attaquer l'ennemi était trop compliqué. Et une fois que l'ennemi est mort, j'ai aucune idée d'où est-ce que je dois aller. J'aime ce jeu. Il n'est pas bugué, il va très très bien, il n'est pas mal fait, il est super cool. C'est pas grave, parce qu'en plus je reviens ici parce qu'il n'y avait pas de checkpoint. Ah, arrêtez d'apparaître dans tous les sens, ça ne sert à rien. Je vais le prendre, je vais pas utiliser cette chose.
Boingificateur. On part de l'autre côté. Je sais pas à quoi ça sert ça, si ça me rend invincible, si ça bloque les ennemis, si ça met juste de la musique. Je redis aucun des trucs que j'ai mentionnés. Mais pas un troisième. Si, il y en a un troisième. Toi, tu rates ton projectile parce que t'es pas doué. Tu décèdes parce que je te donne des coups de pied. Et on va pouvoir continuer. Ah, je vais prendre ces rings là. Et puis voilà. Alors ces trucs se cassent après. Donc je sais pas si je suis supposé toutes les allumer. Si je suis juste supposé danser la carioca. Pour le moment, j'ai juste essayé de me débarrasser des ennemis qui sont dans ma tronche. Et ensuite... Oh, c'était une mauvaise idée. Pour le moment que j'arrête de croire que je contrôle mon personnage. Non, je voulais pas faire ça. Quoique, après, vous me direz, je peux juste attendre que ça se vide. Le problème, c'est que c'est un truc basé sur un temps limité. Donc, enfin, un temps limité. Ça, j'en sais rien. Génial. Des attaques de ténèbres. À toutes les directions. Et je perds le compte. Je trouve ça aussi très agaçant que les rings tombent dans la lave. Vous n'ayez même pas la possibilité de les récupérer. Je sais que c'est de la lave. Et c'est... Trucs sont des missiles, à savoir qu'ils ont une portée maximale et après ils explosent. Bon, désolé, on va attendre actuellement que la jauge se vide parce que j'ai pas confiance en cette cochonnerie. Alors... on applaudit très fort le système. Non! Je suis pas mort. Je suis pas mort, il y a des rings en face. Donc j'allais dire, oui, on applaudit très fort le système. Parce que, bon, donc déjà, il fallait pas que j'allume les lumières. Il fallait juste que j'atteigne la sortie. C'est comme Silver, en fait. Mais le système, en gros, c'est comme vous avez pu le voir, de toute façon, j'étais bloqué contre la... La sphère, puisque c'est une cible qui est actuellement invincible. Elle explose à terme toute seule, mais... Tant qu'elle n'a pas explosé, elle est là, quoi. Mais pas un bumper, s'il y a un bumper. Faut juste que je le touche lui et pas la lave. Bon, bah, puisque j'ai touché la lave, je peux me permettre de... toucher le bumper. Ah, ouais, non, ça vaut pas le coup. Honnêtement, les niveaux ont été pensés pour des personnages qui sont beaucoup plus manœuvrables que ça. En parlant de manœuvrables, rouge. Ouais, t'es dans la zone de Knuckles actuellement. Ouais. Bon, rouge. Au moins avec... Oh, toujours une bonne idée de casser les caisses. Et D-Rings que je ne vais bien entendu pas toucher. Donc, l'avantage avec rouge, c'est que déjà, je peux tirer sur les ennemis à distance. Et apparemment, c'est super efficace. Elle n'est pas basée sur le concept de attaque les ennemis pour... pour avancer. Elle est basée sur un concept beaucoup plus... tu sautes, tu voles et tu ne t'embêtes pas avec la, avec le fait d'utiliser les ennemis. Bon, ok, je suis trop mal placé. Ok, d'accord. Donc là, cette fois-ci, il faut tout allumer. Cependant, étant donné que je joue rouge, on va rester dans les airs. Voilà, merci. Et tuer les ennemis d'abord. Non, non, attendez. Là, j'en ai marre de perdre des vies juste parce que ça amuse le jeu. Ah, je veux dire, j'ai certaines des vies perdues avec Shadow me semblent actuellement être relativement honteuses. En particulier celle du « Hop, tu viendras apparaître, prends-toi un petit projectile impossible à prévoir et meurs actuellement ».
Et... Oh, comment t'étais supposé éviter ça? Pff. Tu poses trop de questions, mon grand. Voilà, donc, on va tuer tous les ennemis d'abord, même si je m'attends à ce qu'ils réapparaissent à moitié, parce que bien entendu, ça peut jamais être aussi simple que ça. Ah, elle est déjà allumée? Bon. Non, probablement pas. Je peux probablement pas juste l'allumer avec mes machins. Hé, hey, je l'ai atteint. Bon, d'accord, ça sert à rien. Elle vise comme une patate. Donc, faut faire super attention. Je suppose que ça brille maintenant. Ok, lui il est mort. Oui. À nous un petit réticule de visée pour savoir à peu près ce que dans quelle direction je cible ça aurait été sympa. Alors apparemment j'ai tué le chef du groupe. Ah, ça peut être le cas pour lui aussi, parce que lui, il est gros. Si j'arrive ne fût-ce qu'à le toucher, je dois pouvoir le tuer facilement. Voilà. Non. Bon, tant pis. Après, vous ne devriez pas être trop compliqué non plus. C'est juste que c'est long. Et là. Et cette bombe va exploser et tuer au moins lui. Donc, je peux me concentrer sur le deuxième. Au moins, c'est avantage, même si entre bombes... Bon, d'accord, celle-là, j'aurais cru qu'elle passerait, mais apparemment pas. Bon, voilà, bah c'est passé. Je suis désolé, c'est assez difficile d'estimer où vont tomber les bombes. Parce que sans réticule de visée, je peux même pas me dire, ok, j'avais casé le réticule ici, donc je peux, faut que je le mette un tout petit peu plus haut ou un tout petit peu plus bas. Donc là-bas, il y a une médaille de Soli, peu importe. Dans le futur, toujours. Quoi? Pourquoi elle a un texte pour ça? Ok, maintenant elle brille. Toi aussi, maintenant, tu brilles. On va espérer pouvoir passer de l'autre côté. On peut. Là-bas, il y a 10 rings que je vais probablement prendre parce que j'en ai pas tant que ça. Et là, on va commencer à avancer un petit peu plus vite parce que actuellement, j'aimerais bien réussir à faire briller toutes ces lueurs, machin chose. Sauf que je me fais pilonner la face. Il y en a pas une ? Si, là-bas. Et pour l'atteindre, bonjour. Ok, ça a marché, ça m'a téléporté directement et au revoir. J'espère que c'était pas une vie qui était derrière. Ah, Silver, tu me manques. Je me demande combien de personnes ont vraiment adoré le scénario de Silver. Personnellement, je l'adore juste à cause du fait que vous mourrez moins et que vous contrôlez votre personnage. Ce qui est assez rare dans ce jeu qu'on méritait mention. Mais bon... Après, Shadow se débrouille bien, mais il est mauvais en plateforme. Parce que pour gérer correctement le platforming, il faut que vous soyez capable de contrôler votre personnage correctement et savoir où est-ce qu'il atterrit. C'est un problème que j'ai avec Shadow, parce que je ne sais jamais où est-ce qu'il va tomber. S'il va tomber là où ça m'arrange, s'il va tomber dans le vide, ce qui est en général le cas. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais bon. Oh, je suis content d'avoir pris le temps de tuer tous les ennemis. Une vie bonus. Ah là là. On peut arriver à la fin du Flame Core, et donc il y a encore une pauvre quantité de rings au fond. Voilà. Pourquoi tu dis « hack » ? Ok, je comprends mieux pourquoi tu dis hack. Mais rings ne vont pas redescendre, n'est-ce pas? Bon, bah tant pis. On regarde autour, par principe, il n'y a rien. Goal. Ah, oh, c'est pitoyable comme bonus temps.
C'est pitoyable comme score, donc c'est un rendez immédiat, sauf s'ils ont été généreux. Bam! C'est... Pour le moment, c'est comme ça que je vois ton truc, hein, rang C. Mais bon, au moins, c'est passé, et techniquement, je n'ai perdu qu'une vie. Non, ça veut pas dire que je ne vais pas compter mes autres 8, de toute façon, vous verrez bien que je les compte. Mais je veux dire, j'ai commencé avec 15, j'ai fini avec 14, donc... Si c'est une vie perdue par Act, je peux survivre avec ça. Idéalement, j'espère que... Non. Ah, oui, j'ai oublié. El Bosso. Donc cette fois-ci, c'est Shadow qui se met en avant. Vous savez quoi, on va le faire, tant pis, la vidéo sera extra longue, mais... J'ai envie d'en finir avec cette zone et recommencer à Soliana. Je me prendrai peut-être une vidéo, vous savez, de repos, à faire juste des quêtes. Puisque je m'attends à ce qu'après ça, ça soit probablement une version Shadow de Radical Train. Parce qu'on a déjà fait, on a déjà fait White Acropolis. Je vois pas pourquoi il ira à la plage. La jungle me paraît sans aucune logique. Donc probablement Radical Train. Radical Train, on affronte Silver, on part dans le passé dans Aquatic Base. Et après Aquatic Base, j'en ai aucune idée. On sait pas ce que faisait Shadow après à ce moment-là. Bref, je m'attends à ce genre ça. Au moins Radical Train et... Ah oui, c'est vrai. Bon, ce boss-là avec ce boss-là, pardon. Ouais, ouais, danse du... En fait, oui, je comprends mieux pourquoi il parlait de différentes formes, puisque là, c'est juste une espèce de tête. Un peu plus tard, il avait un corps. Oh, il va sauter. Ouais. Ouais, après ça, il avait une espèce de corps un peu mal fichu, et puis à la fin, il avait une espèce de corps un petit peu plus costaud. Alors, la règle dans ce combat est d'y aller doucement, de ne pas prendre les rings qui sont sur les plateformes, à moins que vous ayez vraiment besoin d'en récupérer quelques-unes, et de toujours partir en arrière. Voilà. Une fois que vous avez éclairé ça, bon, tant pis, j'ai pris un coup, c'est pas grave. J'ai récupéré des rings de toute façon. Il va se finir par l'attaquer et il faut rester proche. Parce que sinon, vous n'aurez pas le temps de pouvoir lui mettre un coup. Donc là, il va se ramener ici. Voilà. Lui, il s'envole dans la lave. Et ça fait un coup sur 4 ou 5, je sais pas. Et moi, je mets 10 ans pour atterrir sur le bumper. Qui me renvoie au milieu de l'arène pendant que lui il refabrique notre arène. Donc je vais me remettre là, je vais prendre cette ring actuellement. Voilà, j'aimerais bien que la caméra revienne un petit peu normale. J'ai pas vu ce qu'il fait actuellement. Ok, il a dû casser des plateformes. Idéalement, il vaut mieux prendre le temps de juste sauter de plateforme en plateforme si vous n'êtes pas sûr de ce qu'il fait. Puisqu'il a que 3 actions. Soit il invoque une pluie de météores et à ce moment-là, il vaut mieux se barrer à plusieurs plateformes de distance parce qu'il touche rarement une seule plateforme et les plateformes alentours. Soit il bondit et... Zut, je voulais pas récupérer cette ring, tant pis. Là, il bondit pas, donc il est juste en train de réinvoquer de nouvelles plateformes pour que je puisse atteindre. Et après, soit il bondit et s'il bondit, il vaut mieux repartir en arrière actuellement. Non, c'est encore ça. Donc là, je peux m'avancer tranquillement. Non, parce que vous, si jamais il bondit, vous ne voulez pas vous retrouver incapable de voir où vous allez. Pardon, ce n'était pas ce que je voulais dire. Enfin, si, c'est ce que je voulais dire, mais ce n'était pas le... Ouais, c'est ça, encore deux coups. Si jamais il saute, vous ne voulez pas vous retrouver bloqué sur des plateformes en arrière parce qu'il y a une chance qui vous isole. Ça m'est arrivé une fois et ça se vit une perte de vie parce que... Sauf s'il réinvoque des plateformes juste après, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Caméra, s'il te plaît, je déteste quand ils nous font ça. Je déteste le fait qu'ils nous figent la caméra. Comme déjà dit, le contrôle des personnages est déjà assez médiocre pour qu'en plus vous deviez le faire en aveugle.
Voilà. De mémoire, avec Sonic aussi, il y avait des espèces de sphères qui explosaient, mais je crois que c'est au bout de deux de vos attaques. Voilà, donc là, il me renvoie les débris, donc on va partir tranquillement. Personnellement, je préfère aussi sauter d'une plateforme à l'autre plutôt que de faire de la diagonale, si je peux l'éviter. Parce que, disons que le boss est actuellement assez lourd comme ça, et on sait à quel point la lave est géniale. Et là, par exemple, je vais laisser passer le timer. Je me fiche du rang actuellement. Et je n'aime pas du tout le fait que voilà, il n'y ait qu'un seul chemin pour rejoindre ces plateformes. Parce que voilà, quand il va se mettre à sauter, ce qu'il fait actuellement, à la limite, là, je peux peut-être essayer de m'y rendre. Mais ça signifiait, vous voyez que... Non, elle est trop loin. Je veux pas se tenter un saut en mode saut et attaque. Parce que si je me plante, j'aurai plus de ring. Si j'ai plus de ring, je peux pas récupérer celles qui sont au centre. Je vais m'éloigner 10 secondes. Voilà, là, ça me va. Là, je vais juste attendre sa prochaine attaque, puisque ce sont probablement les météores de Pégase. Voilà, les météores d'Iblis, plutôt. Voilà, maintenant, c'est allumé. On retourne une plateforme en arrière. Il a balancé des météores, ou... Parce que je l'ai vu s'agiter, en mode... Petite danse. Mais il n'y a rien qui s'est passé. Peut-être qu'il s'apprêtait à faire une attaque et que ça a été interrompu. Voilà, plus qu'un coup. Une fois que vous connaissez, le concept du combat, il est actuellement relativement simple. L'important, c'est d'y aller doucement et de ne pas prendre de risques inutiles. Puisque, bien entendu, la caméra est mauvaise. C'est de la plateforme sur au-dessus de la lave. Et j'ai commencé à récupérer quelques rings en plus, histoire d'augmenter mon score, peut-être pour éviter le rendez. Je peux aller sur la droite, a priori, mais j'en ai pas envie. Là, il va réinvoquer des plateformes, je l'évite pas. Là, je m'attends à ce qu'il me saute dessus. Non, il refait les météores de Pégase, donc on va se contenter d'attaquer cette sphère lumineuse juste ici. Voilà. On atterrit au sol, on repart en arrière, on regarde ce qu'il fait. Je n'aime pas ce qu'il fait actuellement, ça me dit rien du tout. Ring d'abord. Non, ce n'est pas pour les points. Bon, ça ne servait à rien que je récupère des rings pour essayer d'augmenter artificiellement mon score, mais c'est surtout parce que si jamais je me plantais, je préférais avoir un coup bonus que de mourir et recommencer tout le combat. Parce que quand vous voyez le constaté, il a pris quand même 8 minutes avec les cinématiques, les chargements et le combat proprement dit. Mais ça signifie qu'on en a fini avec ça. Donc je m'attends à un rang B ou C au mieux. C'est à peine 20 000, donc probablement rang C. Ouais, bah, ça me va. De toute façon, je m'attends à ce que t'aies très peu d'amélioration, donc de toute façon, voilà. Sonic, en fait, il lui fallait la blinde de rings. Bref, avec le terminé, ça vient. Donc, ouais, pas un boss extrêmement dur, mais... Faut être patient. Je me souvenais pas, effectivement, mais maintenant, je m'en souviens, bien sûr, maintenant comme c'est trop tard, qu'il fait cette attaque différente tout à la fin. D'ailleurs, en termes d'émeraude du chaos, on a vu la verte, la bleue, la bleue ciel qu'il a actuellement, la diamant, ce qui nous en fait 4. Mais il y en a 3 qui nous manquent. Donc là, on va voir la fin de cette cinématique. T'es pas reparti dans le passé, toi, un peu plus tôt. Ah. Quack. Shadow. Shadow.
shadow, and he doesn't have a Chaos Emerald anymore. Agent Rouge, report your status immediately. Have you retrieved the Book of Darkness? Well, I'll provide a full report shortly. Right now, I have a priority situation to deal with. I need to contact E-123 Omega immediately. Oh oh, donc voici notre... Ah, maintenant c'est elle. Donc voici notre troisième personnage côté donc scénario Shadow qui va se ramener. Cependant, bien sûr, comme vous entendez, on va s'arrêter maintenant, mais on se prend quand même la jungle. Pour aucune raison spécifique, à part pour y aller un niveau bonus, j'imagine. Parce qu'en plus, je pense que c'est littéralement ça, parce que... Attendez, bon, là, on va mettre pause. Ah, parce que je vais pas continuer, comme vous en doutez. Mais j'étais allé voir, par curiosité, les niveaux qu'on pouvait refaire sur... pour Silver, par exemple. Et le niveau de Blaze sur la plage est actuellement compté comme un niveau bonus. Et je suis presque sûr que Tails, c'est pareil. Il est allé sur la plage, vous savez, en mode... Non, Elise va au point de rendez-vous avec Eggman, il faut que j'aille l'aider. Et je suis sûr que c'était aussi un niveau bonus, en sens, on l'a rajouté pour remplir. Donc c'était pas mal, là, le coup du Mephiles qui est pile à côté d'une flamme, et ça la rend plus puissante, comprendre qu'il y a probablement un lien entre lui et Iblis. En vérité, on le connaît déjà, puisqu'on a vu que quand ils ont extraté leur expérience... vous savez, 10 ans avant le début du jeu... Ah, il y avait eu une grosse explosion, et il y avait eu Iblis et l'ombre qui s'était barré. Et l'ombre qui se barrait, Shadow avait mentionné que c'était Mephiles. Donc, voilà, on sait qu'ils ont un lien l'un avec l'autre. La question, c'est quel lien. Donc avec ça, donc par contre, je pensais pas que Shadow allait rester dans le futur. Et on sait pas vraiment comment est-ce qu'il va repartir dans le passé, dans le présent. Probablement avec Mephiles, j'imagine, puisque, je sais pas. Mais je pense que je vais effectivement m'arrêter là et que je vous retrouverai la prochaine fois pour, ben, Tropical Jungle. Donc d'ici là, ciao.